Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidin. Dit tout de suite l'essentiel de l'actualité. Les habitants des différentes parties de la ville de Kigali estiment que le soutien du gouvernement qui vient s'ajouter à leurs propres efforts est l'un des facteurs qui permettront que certaines activités de développement soient rapidement réalisées. Indication faite lors des différents quartiers de la ville de Kigali qui sont en pleine construction des routes en bitume avec l'intervention du gouvernement à hauteur de 70%. Les détails avec Winnie Murunziz. La construction des routes en bitume est une activité devenue familière aux habitants des différents quartiers de la ville de Kigali depuis maintenant 5 ans. Les autorités au niveau de base et les habitants du village de Gakoni dans la cellule de Nyabugogo, secteur de Kigali, ont débuté la construction de 6,2 km de route et disent que la volonté de la population donne l'espoir que les travaux seront terminés à temps. En plus des villages du district de Nyarugenge qui sont en train de construire leur propre route asphaltée, ceux de différents villages du secteur de Kagarama dans le district de Kichukiro se sont également engagés dans des projets similaires pour construire 5 km de route. Les autorités du village de Lugunga dans la cellule de Muyange ont indiqué que c'est essentiel que les gens soient informés des avantages d'un tel projet de développement car la plupart d'entre eux ont des moyens. La ville de Kigali indique que son administration a décidé de soutenir la construction des infrastructures dans lesquelles les habitants sont impliqués pour qu'elles puissent durer longtemps. Le pays déploie normalement des efforts dans la construction des routes tant en province qu'en ville de Kigali. Le fait que de telles activités impliquent la participation de la population et qu'ils soient soutenues par l'administration à un niveau élevé, cela peut servir d'impulsion pour construire plus de routes possibles de sorte que les zones où vivent les gens deviennent plus charmantes. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir un artiste dramaturge, acteur, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Vous venez donc d'effectuer une tournée européenne qui vous a conduit non seulement en Belgique et puis en France. Vous avez également été à Varsovie pour finir à Genève. Pourquoi avoir pensé à toute cette tournée européenne ? Je n'ai pas pensé à cette tournée européenne. On m'a invité. Donc, j'étais d'abord aux Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Zwolle, hein, où je faisais ma résidence d'écriture. Et puis, Iwuka Belgique m'a invité pour la 29e commémoration. Il s'agissait de préparer avec les membres d'Iwuka une pièce de théâtre qui s'appelle Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Un spectacle total ouvert à tous les genres dans la mesure où il est composé de théâtre, de poésie, de slam, de monologue et de chant. Et donc, je suis allé en Belgique pour 2 mois. Nous avons préparé avec les membres d'Ibuka, Belgique, cette pièce et nous l'avons jouée le 7 avril. Et puis après, je suis allé à Charleroi et à Namur pour déclamer des poèmes que j'ai écrits sur le génocide, notamment Essuie tes larmes, tiens-toi debout, ou le film est de l'horreur, ou la raison de sa survie. Voilà, et puis... Si vous permettez, à ce niveau-là, vous avez parlé d'Essuie tes larmes et tiens-toi debout. C'est quoi le message? Le message, c'est que, vous savez, quand j'écris, c'est par devoir de mémoire. On rappelle ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus, pour que le slogan que nous... répétons toujours le 7 avril ou pendant la période commémorative ne soit pas un slogan vide de sens. Donc j'ai écrit cette pièce pour rappeler ce qui s'est passé, les horreurs qui ont été commises contre les Tutsis du Rwanda, mais aussi pour informer le public, surtout les étrangers qui connaissent mal ou qui méconnaissent donc le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, mais et suite à l'âme aussi, c'est ça invite à la résilience. Donc, il ne s'agit pas de se laisser abattre par ce qui s'est passé, mais aussi d'être résilient. Et en cette matière-là, le peuple du Rwanda est imbattable. Tout à fait. Le peuple est résilient. Et nous sommes à quelques jours
de la fin de la commémoration de 100 jours consacrés à la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Mmh. Vous êtes sans ignorer que la plupart des personnes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, ce génocide vieillissent. Oui. Ils sont en train de disparaître progressivement. Oui. Et pour ce travail de mémoire, pour les générations futures, les enfants nés en 94 ou après 94 ne connaissent pas nécessairement ce qui s'est passé en 1994 ou un peu avant 94, oui, et ce qui a conduit au drame. Oui. Or, l'effort de la société rwandaise est que cette mémoire demeure vivace, mmh, mais qu'elle puisse nous permettre aussi de construire, oui, un Rwanda nouveau. Oui. Et dans cette perspective, vous avez écrit un livre. Parlez-nous de ce livre. Oui, c'est le livre qui s'appelle « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants ». J'ai eu maintes fois l'occasion de le présenter ici au Rwanda, et cette fois-ci en Belgique, en Europe. Donc, c'est un livre où un père, professeur d'université, rescapé du génocide, qui a étudié à fond le génocide donc, des Tutsis du Rwanda, et répond aux questions de ses enfants. Ce livre est destiné surtout aux enfants âgés de 12 à 17 ans, mais aussi il est destiné à leurs professeurs et à leurs enseignants. C'est ce que j'ai remarqué quand je l'ai présenté à Strasbourg, et à Varsovie. À Strasbourg, c'était surtout devant les professeurs et les parents français pour que justement ils parlent de ce livre dans leurs écoles, pour qu'ils informent non seulement les jeunes Rwandais de la diaspora qui sont en France, mais aussi les jeunes Français qui connaissent mal ou qui ne connaissent pas du tout le génocide des Tutsis du Rwanda. C'est ça le travail de mémoire, c'est ça la transmission intergénérationnelle de la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda. À Varsovie, j'ai eu particulièrement le bonheur, je dirais même le bonheur, d'être devant, de présenter ce livre sur l'invitation de notre ambassadeur Cheikh Anastase. Donc j'ai eu l'occasion de présenter ce livre dans une université polytechnique de Poznań, une autre ville de Pologne, devant les jeunes Rwandais. Public jeune. Exactement. L'avenir du pays. Vraiment, les porte-flambeaux de demain, le Rwanda de demain. Et j'ai eu l'occasion de le présenter ce livre et ils ont été très heureux, très intéressés, parce qu'ils ont appris beaucoup de choses, non seulement sur l'histoire du Rwanda, donc sur les causes lointaines du génocide des Tutsis du Rwanda. Ils ont posé des questions et j'ai répondu et je leur ai dit que ce livre va leur donner des occasions, des éléments plutôt est nécessaire pour qu'ils transmettent eux-mêmes. Parce que quand ils causent avec leurs amis, leurs camarades de classe polonais, ils leur apprennent ce qui s'est passé au Rwanda. Et cela, ils le trouvent dans mon livre. Les différentes questions qu'ils se posent et les réponses sont là. C'est pourquoi ce livre, à mon sens, est très important. Et à mon grand bonheur, il a été bien reçu, que ce soit en France, en Belgique et en Pologne. En Suisse aussi. Si vous permettez, revenons sur Potsdam, oui, cette ville polonaise, mmh, où vous avez rencontré cette jeunesse rwandaise, oui, et cette jeunesse estudiantine, mmh, et l'avenir du pays. Hein, oui. Ce sont eux qui vont diriger ce pays, oui, dans quelques années. Oui. Quels sont les genres de questions que vous avez rencontrées devant ces jeunes? Bon, les questions qui se posent, d'abord, c'est comment l'État rwandais de l'époque, le gouvernement rwandais de l'époque, est arrivé à vouloir exterminer les Tutsis. Alors là, il me faut aller aux origines même de ce génocide. Et ces origines se trouvent dans notre histoire, une histoire coloniale d'abord, parce que on remonte même à ce qu'on appelle la théorie amitique. La théorie amitique qui a été inventée par un anthropologue, un médecin britannique, Charles Gabriel Seligman. Et c'est cette théorie amitique qui divise le peuple du Rwanda en trois groupes sociaux. Dont les Tutsis disent que ce sont des Amites qui sont venus d'Abyssinie, les Twas de la forêt équatoriale et autour des bords du lac Tchad. Déjà, les Rwandais qui ne s'étaient jamais donné des origines étrangères, ces colonisateurs, ces explorateurs, ces missionnaires, leur attribuent des origines étrangères. L'autre question, c'est vraiment un éclaircissement sur des confusions, des amalgames. On dit par exemple
que le génocide a été causé par le crash de l'avion. Et moi, je leur dis que le crash de l'avion ne peut pas être la cause du génocide. Parce que le génocide, d'abord, on ne sait pas qui a tué l'avion, qui a plutôt abattu l'avion. Et même si on le connaissait, ça ne justifierait pas le génocide qui s'est perpétré contre les Tutsis. Parce qu'il y a partout des attentats à l'avion, il y a des attentats dans les métros, dans les villes, mais on n'a jamais vu, par exemple, l'État français se ruer sur les musulmans pour les exterminer, parce qu'un musulman, par exemple, a fait un attentat. Donc, ce n'est pas l'avion. Et puis, quand on parle de colère populaire, quand on dit le peuple du Rwanda s'est révolté, s'est mis en colère contre les gens qui ont descendu l'avion, d'abord, on oublie que les Tutsis font partie du peuple du Rwanda. Donc, quand on dit la colère populaire, on oublie que les Tutsis font partie du peuple du Rwanda. Mais pourquoi on le dit? Parce que justement, l'idéologie raciste anti-Tutsi, qui est là depuis 1959, et dont les origines sont coloniales, fait des Tutsis des étrangers. Donc, c'est comme si les Tutsis ne faisaient pas partie du peuple du Rwanda. Voilà. Donc, il a fallu éclaircir ces questions et le détail se trouve dans ce livre. Donc, je leur ai dit, lisez le livre, vous allez trouver toutes les questions, toutes les réponses aux différentes questions que vous vous posez quant au génocide Tutsi du Rwanda. Donc, il y a ce livre, le génocide perpétré contre les Tutsis, raconté... Expliqué, c'est différent. À ses enfants, oui. Que vous avez donc présenté à ce public... aussi bien de la diaspora rwandaise que dans ce pays que vous visitiez. Oui. Quel accueil avez-vous ressenti par rapport... Bon, il y a des jeunes rwandais, oui. Mais par rapport aux autres jeunes qui ne sont pas rwandais. Oui. C'est-à-dire que tout le monde, donc, que ce soit les jeunes rwandais de la diaspora, que ce soit les jeunes français ou les jeunes polonais, ou les jeunes belges, les jeunes français, les jeunes belges, les jeunes polonais, les jeunes suisses, où j'ai été. Que ce soit leurs professeurs ou leurs parents, ils ont été très contents de recevoir un outil qui va leur permettre de répondre aux questions dont ils n'avaient pas les réponses au début. Bon, je ne dis pas que mon livre est le seul qui puisse expliquer le génocide ou donner des informations relatives au génocide, mais il est parmi... les livres qui expliquent aux jeunes, dans un langage accessible, un langage simple, qui explique l'idéologie, la genèse de l'idéologie raciste, la préparation, l'exécution, je vais dire, et puis le négationnisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a un génocide, il y a aussi des négationnistes. Ils sont nombreux, en Occident surtout. Et là, mon livre, comme mes pièces de théâtre, c'est mon combat contre le négationnisme. Oui, donc... Il a été très bien reçu. Il m'a été même proposé de le traduire dans toutes les langues de l'Europe. Justement, c'est la question. Le livre, vous l'avez écrit en quelle langue? Oui, voilà. Je l'ai écrit en français et en anglais, dans les deux versions anglaise-française, surtout dans le même livre. Mais il a été publié en espagnol aussi à Mexico. Donc, j'ai la version espagnole. J'ai traduit aussi le livre en italien. Et on est en train de le faire en néerlandais, en allemand. Et en Pologne, on m'a proposé de le mettre en polonais. Et je compte le mettre en chinois aussi. Et en arabe et en swahili. Absolument intéressant. Et dans toutes les langues que je pourrais... D'autant plus que la diaspora rwandaise vit un peu partout dans exactement, le monde. Exactement. Et il y a des jeunes rwandais qui ne comprennent pas nécessairement le kinyarwanda ou le français ou l'anglais. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, si on peut encore revenir sur ces livres, il y a des jeunes rwandais ici aussi, à part... Oui. Vous avez fait le tour de l'Europe en parlant de ce livre, de l'idéologie du génocide, de la négation du génocide. Mais ici, au Rwanda, que comptez-vous faire pour que ce livre soit une propriété de la jeunesse, de la société rwandaise? Oui, merci beaucoup, parce que surtout que ce livre a été commandé par les jeunes du Rwanda. Donc, c'était en 2019. qu'une jeune fille qui étudiait à l'Université du Rwanda en psychologie clinique, du nom de Neri Umulisa Rurangwa, m'a posé la question, est-ce que vous pourriez nous écrire un livre qui expliquerait à nos jeunes de façon très simple le génocide des Tutsis du Rwanda? J'ai dit, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et quand je suis retourné à Ottawa, où je vivais, donc j'ai écrit ce livre et je suis venu le présenter ici à la télévision,
Et dans, au cours des cafés littéraires qui ont eu lieu au Centre culturel français, à Tigard Public Library, et des différentes interviews que j'ai eues avec des journalistes. Et donc, le livre, il est là, et le Conseil rwandais de l'éducation, je pense, le REB, Rwanda Basic Education Board, a approuvé le livre et il a promis, il s'est engagé à le mettre à rendre disponible dans toutes les écoles. Bon, c'est une étape qui suivra en fait. Donc, si ce livre est disponible dans les écoles comme les jeunes l'ont réclamé, je pense que ce sera un des livres qui va aider notre jeunesse à connaître le génocide et à le transmettre aussi, parce que c'est ça l'objectif d'un écrit sur le génocide. Il faut que la transmission continue, il faut que la transmission soit intergénérationnelle. Voilà, pour que le plus jamais ça ne soit pas un slogan vide de sens. Parlons un peu de la négation du génocide. On parle régulièrement de l'idéologie du génocide, mais la négation du génocide fait son chemin, ouais, aussi bien en Europe qu'en Afrique, qu'au Rwanda. Pensez-vous que ce livre ou les différents livres que vous avez écrits peuvent participer éventuellement à lutter contre cette négation du génocide ? Oui, en fait, mon combat, ma lutte, c'est ça, c'est pas la plume. Tout écrit qui écrit sur le génocide, qui écrit vraiment en ne trahissant pas l'histoire du génocide, c'est un combat contre les négationnistes. Et ils sont nombreux, ils sont là, ils sont parmi ceux qui l'ont fait, ils sont parmi ceux qui les ont soutenus, et donc ils écrivent aussi. Il y a des jeunes aussi, des jeunes rwandais qui écrivent, descendants de ceux qui ont fait le génocide. C'est normal qu'ils le nient. Donc, ils ont une façon de dire ce qui s'est passé au Rwanda. Et donc, nos écrits, bah, je ne suis pas le seul à écrire sur le génocide. Mes écrits, je pense, comme ceux d'autres sur le génocide, sont une arme pour combattre ce négationnisme. Parlons un peu justement, peut-être l'avant-dernière question des ambassades. Oui. Quel accueil par rapport à votre projet vous avez reçu dans les différentes ambassades que vous avez visitées? Oui, j'ai collaboré, enfin je vais me dire, j'ai été soutenu par l'ambassade du Rwanda en Belgique. Avec l'association IWUKA, et nous avons préparé cette pièce, et nous avons présenté le livre, et nous avons déclamé des poèmes, etc., au cours des activités commémoratives. J'ai été invité aussi par l'ambassadeur Chaka, Anastase, à Varsovie, et il m'a amené à l'école, à l'université polytechnique de Poznań, donc une autre ville de Bologne, où justement j'ai rencontré notre jeunesse étudiantine là-bas, et nous avons fait, avec le vice-recteur de l'université, avec quelques Polonais, dont nous avons présenté le livre, nous avons répondu, chacun et moi, nous avons répondu aux questions des élèves. Et je pense que je vais mettre le livre en polonais, comme ça, il va être accessible non seulement aux jeunes rwandais de la diaspora, mais aussi aux jeunes polonais, voilà, et à tous les Polonais en général. Voilà, donc en Suisse, exactement, l'ambassade de Suisse en collaboration avec IWUKA Suisse. César Morangira, président d'IWUKA Suisse, avec l'ambassade du Rwanda. Donc, on m'a invité et je suis allé présenter le livre. Donc, c'est un livre qui intéresse beaucoup de gens et je pense que nos jeunes, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont été satisfaits du contenu parce que j'ai répondu à toutes les questions qui se posent en fait quant à la thématique du génocide. Le temps est jaloux. Peut-être la dernière question. Dans quelques mois, le Rwanda va commémorer pour la 30e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis. Mmh. Et c'est peut-être un peu prématuré, mais est-ce que vous avez des projets par rapport à cette 30e commémoration? Oui, évidemment. Avec IWUKA, je prépare toujours, partout où je suis, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit en France ou ici, une pièce de théâtre. Et cette fois-ci, nous avons une pièce commémorative que je suis en train de préparer avec la troupe Izuba d'ici au Rwanda, Voix et rythme du Rwanda pour la mémoire et pour l'espoir. C'est un spectacle total également,
ouvert à tous les genres, musique, théâtre, chant, poésie, slam et monologue. Et donc, on va jouer ce spectacle au Mémorial de Issozi le 30 juin. Voilà. Comme toujours, c'est pour le public, tout public. On ne fait pas payer parce que c'est commémoratif. On veut plutôt que les gens soient nombreux parce que notre objectif, c'est de transmettre, c'est d'éduquer et c'est de lutter contre le génocide. Donc, que les jeunes viennent nombreux surtout parce que c'est surtout eux qui intéressent mes productions. Voilà. Merci beaucoup à Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que Rurangwa Jean-Marie Vianney est non seulement écrivain, il est dramaturge, il est un acteur, il joue plusieurs pièces de théâtre et il est toujours prêt à répondre aux questions de la télévision rwandaise. Nous vous remercions et vous souhaitons un excellent week-end. Retour à l'actualité des observateurs avisés de l'exécution du budget national depuis la mise en place des stratégies nationales des transformations indique que des ajustements additionnels au budget qui ont été opérés ont permis au gouvernement d'accélérer les activités que le gouvernement s'est fixées dans son programme des 7 ans de manière que la majorité de la population a accès aux éléments de base pour leur développement. Le détail avec Assim Issouf. Le budget de l'exercice 2023-2024 est d'environ 5 000 milliards de francs rwandais et sera exécuté dans l'accélération des activités de développement social. Lors de la présentation de ce budget aux membres des deux chambres du Parlement, le ministre des Finances et de la Planification économique, le docteur Ndagijimana Uziel, a indiqué les raisons majeures qui expliquent pourquoi ce budget a augmenté plus qu'au cours d'autres exercices antérieurs. La feuille de route pour les activités à réaliser dans le budget de cet exercice a été choisie en fonction des priorités de la stratégie nationale de transformation et de la vision 2050, plus la gestion des effets du COVID-19 et d'autres défis mondiaux tels que la guerre en Ukraine. Par rapport à l'exercice budgétaire précédent, il y a eu cette année une augmentation de 250 milliards et au cours de ces derniers exercices, des ajustements budgétaires ont été effectués parce qu'il y avait des activités qui devaient nécessairement être exécutées. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de budget national, mais vous trouvez que le budget est insuffisant. C'est ainsi que nous mettons en place des priorités, entre autres. Les chiffres provisoires montraient que l'exécution du budget du présent exercice est de 99,6% et rien n'empêche qu'il le sera à 100%. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le docteur Ndagijimana Uziel, indique que le Rwanda a atteint beaucoup de réalisations au cours de ces dernières années, malgré les obstacles qui ont entravé le large programme d'activités que le pays s'était fixé. Je pense que vous vous souvenez qu'au cours des trois dernières années, nous avons été confrontés à des défis persistants résultant des effets du COVID-19, des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale qui ont littéralement ébranlé notre planification et notre économie. Mais ce dont nous pouvons nous réjouir, c'est que nous nous remettons de tout cela comme prévu pour évaluer tout le NST1 l'année prochaine lorsqu'il sera à terme. Depuis la mise en place des stratégies nationales de transformation, le budget national augmentait chaque année. En 2017-2018, il était d'environ 2 000 milliards de francs rwandais et de 2 443,5 milliards en 2018-2019. Le budget national 2019-2020 était de 2 876,9 milliards de francs rwandais et de 3 245 milliards en 2020-2021.
Lors de l'exercice 2021-2022, le budget a également augmenté jusqu'à 3 807 milliards de francs rwandais et 4 658 milliards pour l'exercice 2022-2023. Au cours de cet exercice, qui est également le dernier du programme d'accélération du développement national, le budget est de 5 030 milliards de francs rwandais. Voilà tout pour l'actualité de ce dimanche. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.